L'histoire de Joseph est riche en rebondissements. Un simple hébreu devenu dignitaire égyptien, c'est lui qui permet à son peuple de se multiplier, de ne pas disparaître. C'est ce merveilleux récit qui termine le livre de la Genèse et qui a suscité des nombreuses recherches historiques des archéologues qui ont visé à retrouver des traces. Eh bien, figurez-vous que les résultats de ces travaux ont mis en exergue des points communs significatifs entre les versets bibliques et la société égyptienne antique. J'ai rencontré pour vous Galit Ben Tovel, elle est docteure en égyptologie, et vous allez voir que la science confirme les écrits de la Bible. Alors nous sommes devant la statue de la foi qui évoque le rêve de Jacob, le sacrifice d'Isaac. Mais aujourd'hui, Galit, c'est d'un autre grand homme dont nous allons parler. Nous allons parler de Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire, Yosef ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au fait, Yosef, c'est un nom égyptien. Cela dit, la traduction du nom Yosef ou Joseph en égyptien est le couteau. Et si vous voulez, même le grand couteau. Et là, on se demande des questions. Et pourquoi auront donné un nom, le couteau, pour décrire Joseph? Pour comprendre, en fait, cette traduction, il faut aller à la Bible. Il faut comprendre l'histoire que la Bible nous raconte sur Joseph. Le fait que Joseph a été vendu en esclavage par ses frères. Il arrive en Égypte et, au fait, il se fait acheter par un personnage qui s'appelle Potiphar. Et au fait, Potiphar était un boucher, ça veut dire qu'il était le maître même des bouchers. Et il avait besoin d'un esclave, un peu d'aide. Et c'est comme ça qu'il a pris et il a acheté Joseph, qui a travaillé pour lui pendant pas mal d'années. Et je crois que c'est là au fait qu'il a reçu un autre nom. Ce n'était sûrement pas son nom de naissance, mais le nom de sa fonction et quand il est tombé en esclavage. Alors Galit, comment est-il sorti de cette condition d'apprenti boucher finalement au prince d'Égypte qu'il est devenu? Au fait, il est tombé en prison avec toute l'histoire de la femme de Potiphar. Et c'est là quand il est en prison et le pharaon de son temps, Amenemhat III, rêve un rêve. Il rêve que 7 vaches grasses sont sorties du Nil. Et juste ensuite, après la sortie de 7 vaches, il y a d'autres 7 vaches, mais cette fois-ci maigres, qui ont avalé les 7 vaches grasses. Il ne comprend pas du tout le rêve qu'il a rêvé. Et il demande à tous les savants d'Égypte, tous les Khartoumim, on les a. D'interpréter ce rêve. Exactement, d'interpréter ses rêves. Et aucun ne réussit à donner une interprétation que le pharaon accepte ou voit vraiment le message qu'il y a dans eux. Et voilà que Joseph, en ce temps de ce rêve, il est en prison. Et c'est là qu'il aide aussi d'autres prisonniers avec lui et il interprète les rêves d'autres prisonniers. Il commence à raconter au pharaon qu'il y a un prisonnier, au fait qu'il a le don de déchiffrer et interpréter des rêves. Les songes, absolument. Voilà. Et là, on lui fait venir Joseph. On appelle Joseph, il vient auprès de Pharaon. Et voilà, il lui raconte qu'au fait, ce rêve symbolise que Égypte va avoir 7 ans de prospérité. Et juste après ces 7 ans de prospérité, Égypte va subir 7 ans de famine. Oui. Pharaon est en admiration de cette interprétation et bien sûr demande l'aide de Joseph parce que là, il le nomme aussi de Tsafnat Paanat. C'est un autre nom que Pharaon donne à Joseph. Comme qui on a veut dit, dire quoi en égyptien? Qui veut dire quoi? C'est ça qui est très intéressant parce que si on traduit ce nom-là en hébreu, oui. Ce nom en hébreu veut dire savoir déchiffrer le code. Maintenant, on se demande quel code. Alors, on peut dire que le code pourrait être les codes du rêve, comment il comprend les messages des rêves. Mais si on regarde les écrits égyptiens, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'au fait, Tsafnat Paanat, ce sont 3 mots égyptiens. Et ces 3 mots-là veulent dire le collège des savants. Non seulement le collège des savants, mais au fait, Tsafnat Paanat, c'est le maître du collège des savants, du collège des Égyptiens. Donc on réalise en fait à quelle place a été promu finalement Joseph en interprétant le rêve de ce pharaon. Mais ce pharaon, il était vraiment puissant à l'époque. L'Égypte a creusé un canal, si vous voulez, un silo au long du Nil. Et ce canal-là mène à un lac artificiel. Ce lac artificiel est connu aussi par les spécialistes, aussi par le nom de Fayoum. Le Fayoum, au fait, c'est un lac pas trop loin du Nil
qui a été créé pendant le temps de Amenemhet III. Et comment s'appelle le canal ? Le canal et le lac, c'est ça qui est très intéressant, merci Valérie, ben, il s'appelle Bar Yosef. Et ça existe encore ? Voilà, mais alors Bar Yosef, bien sûr, c'est le nom de la période islamique, c'est un nom moderne, mais ce qui est intéressant, quand on connaît l'Égypte et surtout les lieux antiques, que les noms des sites toujours remène à l'histoire ancienne qui a été reliée avec ce site. Alors cela dit, est-ce que c'est possible que le Bar Yosef, qui veut dire en arabe, qui veut dire le lac ou la mer de Joseph, était peut-être un des faits, des événements de la sagesse de Joseph, qui en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a creusé ce canal. Il faut comprendre pourquoi il a creusé ce canal. Parce que quand on se dit la famine en Égypte, des fois on pense que la famine arrive avec une sécheresse. Il n'y a pas assez de pluie, c'est pour ça qu'il y a de la famine. Oui. En Égypte, ce n'était pas le cas. En Égypte, la famine pourrait se réaliser quand le Nil était inondé. Ça veut dire que les champs à côté du Nil... Donc il y avait trop d'eau. Il y avait trop d'eau. Et c'est pour ça qu'ils ont creusé ce canal pour, au fait... Pour diminuer le niveau des eaux. Exactement. Pendant le temps de Amenemhet III, c'est qu'il y a un grand changement socio-économique qui se passe dans le palais de ce pharaon. Jusqu'au temps d'Amenemhet III, Égypte était divisée en régions. Oui. Chaque région avait son monarque. Oui. Et au fait, les gens donnaient leur richesse au monarque de leur région. Et le pharaon n'était pas assez puissant. Pendant le temps de Amenemhet III, on voit un changement radical dans le système économique de l'Égypte, comme quoi toutes les régions et les monarques, au fait, donnent leur richesse pour acheter les graines pendant les 7 ans de famine. Et ça, peut-être que ça émane de la tête de Joseph. Exactement, exactement. Et c'est là que le pharaon, à partir du temps d'Amenemhet III, au fait, est devenu la personne la plus riche et la plus puissante en Égypte, à cause de ce système qui a été changé pour sauver l'Égypte de cette fameuse famine. Mais alors, il a régné combien de temps, Joseph ? Alors, la seule chose, c'est qu'on n'a pas vraiment Joseph dans les écrits égyptiens. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire, ce qu'on trouve dans l'histoire de Joseph, au fait, on trouve des détails qui correspondent, si vous voulez, dans la culture égyptienne. On voit les événements. Par exemple ? Alors, il y a quelque chose qui sont très intéressants. D'abord, il y a la ville. La ville où Jacob et les frères de Joseph, au fait, se sont situés pendant tout ce temps-là. Une ville qui s'appelle en grec Avaris. Elle est connue aujourd'hui par Tel El Daba et elle se trouve à l'est du Delta. Et elle a été fouillée, creusée pas mal d'années, si je peux dire même 30 ans. Ça fait déjà 30 ans de fouilles. Et les dernières années, il y a un tombeau fascinant qui a été découvert dans cette ville de Tel El Daba. Il faut dire que c'est une ville assez typique, sémitique. Donc là, vous nous parlez vraiment de choses complètement nouvelles. Hein? Oui, ce sont des choses complètement nouvelles qui ont été exposées dans des films documentaires. There is nothing else like this in the whole of Egyptian history. Nothing at all. When you put those cities side by side, the biblical account and the archaeology match extremely well. So far, there is no documented evidence about the Exodus. Exodus did not happen in the way that it is described in the text. How can we prove that? You look for a collapse in Egyptian civilization, and that's where you'll find Moses and the Exodus. If we can prove there even was an Exodus. I think everybody in the field is biased, one way or another. Whether it was true, it is true. And those are two different things. Somebody remarkably the same. We have tombs that are clearly those of foreigners, Semites. We can tell this by the pottery, by the kind of weapons. These are not Egyptian-type daggers. They have donkeys in some cases buried with them. This was not an Egyptian practice. This is real evidence for the time when the Israelites were in Egypt as slaves. We were slaves? Why? I mean, if you're going to dream up a story, surely you'd come up with a better one than that. Look at your evidence and come to a conclusion based on the evidence.
So you have a connection between the Bible story and these tablets. We have a name. It's identical. We have a tablet coming out of the ground with the name Jabin on it. And in the story of Joshua, Joshua killed King Jabin of Hazor. Why is it that we've never heard of these finds? Because in the scheme that's used by scholars to date all these events, they're way too early. We may be wrong 10 years here, 10 years there, but there's no way, you know, to shift centuries. Et voilà, c'est Tel El Daba, une ville fascinante sémitique. Au milieu de cette ville, une pyramide égyptienne. Et dans cette pyramide, ce qu'on trouve, on trouve des débris d'une statue. Et cette statue, au fait, c'est une statue d'un personnage. Bien sûr, on comprend que cette pyramide a été consacrée à ce personnage, l'enterrement de ces personnages. Et ce personnage pourrait être Joseph. Et pourquoi? Quels sont les signes qui nous prouvent que ce serait justement le tombeau de Joseph? Alors, il y a deux choses qui se passent dans ce tombeau. D'abord, cette statue, on voit que le personnage, il porte une tunique en rayures. Et comme on connaît aussi des contes bibliques, que Joseph, un des caractéristiques qui sont très caractéristiques de Joseph, c'est le fait qu'il a cette tunique de rayures. Oui, exactement. Quand il a été jeté et vendu à l'esclavage, on lui a enlevé cette tunique et tout ça. Alors, de voir cette tenue en rayures comme personnage dans cette tombe, ça, bien sûr, ça mène beaucoup de questions. Ça pourrait être Joseph. Une autre chose qui est très intéressante, que ce tombeau de pyramide, au fait, on n'a pas trouvé des os. Oui, justement, les os sont à notre pelouse, non? Exactement. Alors, si on regarde le conte hébraïque, oui, on sait que Moïse, quand il est sorti d'Égypte, il a, au fait, réalisé, si vous dire, le rêve de Joseph, qu'il a demandé que quand il sortira d'Égypte, il veut que ses os, au fait, arrivent à Canaan et à travers la tradition, on sait que ces os-là pourraient être situés à Shrem ou à Naplouse, voilà, aujourd'hui. Maintenant, une chose aussi très intéressante, il y a une autre petite pyramide qui était construite à côté du lac de Fayoum. Et cette pyramide-là, c'est une pyramide de Amenemhat III. Alors on se demande pourquoi ce Amenemhat III a construit une pyramide, pas avec tous les autres pharaons, et il a décidé de construire sa propre pyramide à côté de ce lac artificiel que peut-être Joseph a construit. C'était par rapport à quoi? À ce fameux songe? Exactement. Pour dire aussi, voilà, j'ai sauvé l'Égypte et des inondations, j'ai sauvé l'Égypte de ces 7 ans de famine et c'est pour ça que je veux vraiment me faire enterrer à côté de ce lac. Alors lorsque Joseph va mourir, va commencer l'exode des Juifs, c'est à cause de ce nouveau pharaon? Alors voilà, ce qui se passe, qui est très intéressant, l'histoire de l'Exode commence vraiment avec la mort de Joseph. Et ce qu'on nous dit dans la Bible, que Joseph est mort et il y a un nouveau pharaon qui n'a pas aimé Joseph ou qui n'a pas connu Joseph. Et il faut comprendre que toute la réalité de l'Égypte a changé avec la mort de Joseph et un grand changement politique qui est arrivé en Égypte. Il y a une ville en Israël qui fait un peu rappel à ce nom de Joseph, c'est la ville de Safed. Oui. En hébreu, on l'appelle Tzfat. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en Tzfat, au fait, et tous les kabbalistes, pendant des années, à partir de 1492, ont décidé de se situer dans cette ville de Tzfat. Oui. Et les kabbalistes, comme on sait, ce qu'ils faisaient, c'est étudier le code de ce cosmos, essayer de déchiffrer tous les mêmes secrets que Joseph et les anciens savants d'Égypte le faisaient. Et comme ça, voilà une tradition qui a commencé en Égypte à garder un peu un petit groupe qui, au fait, se situait à Tzfat. Oui. Et voilà, c'est une belle histoire. Merci beaucoup, Galit. Merci beaucoup.